Voilà. Donc vas-y, je te laisse prendre le téléphone. Ne fais pas tomber, j'ai enlevé la coque. J'espère que vous allez bien, les amis. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Couscous Man et Mister M derrière la caméra, bien sûr, qui va échanger de temps en temps avec Couscous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'il ne connaît pas le concept. Il est un peu gêné, hein. Tu sais, tu peux... On a des objets, non c'est comme ça, pardon, du plus classique au plus insolite. Et vous avez peut-être compris de quoi je veux parler quand j'ai dit que le stylo c'est le plus classique. Vous avez vu des fils de masque usagés, bien évidemment. Merci de présenter, j'en ai besoin. C'est une trend en ce moment et on va la reproduire. Ne faites pas ça chez vous, c'est complètement inutile. En gros, on va découper des objets avec des fils de masque, tout simplement. T'en penses quoi? Moi, ouais. Voilà. Merci. On va commencer par un stylo, un crayon. Ensuite, on va faire une gomme. Ensuite, on va essayer de découper un kiwi pour le déguster. On ne gaspille rien. On va essayer de découper un cahier, pas entièrement. On va juste voir si ça marche. Un petit tube en PVC bien épais. Bien évidemment, t'as compris nos chiens. On va voir si on peut péter du verre. Voilà, on va pas pouvoir le couper. Timothée, t'es trop con. On va juste voir si on peut le casser, d'accord? Donc, quand on en sera là, vous avez intérêt à pas le reproduire chez vous, bande de sagouin. Donc, tu vas tenir. Voilà, nickel. Et moi, je vais vous montrer comment faire. En gros, c'est simple. On va exercer une sorte de petite pression. Pression artérielle. Ta gueule. C'est le stylo. C'est le stylo, donc c'est le plus classique. C'est censé marcher. Tiens-moi le bien, parce que là, il remonte. Ah, il y a encore de l'encre. C'est dommage, parce que quand j'écris, il marche pas. T'essaies de couper le stylo avec un putain de fil de masque. Ça marche. Oh bordel! Donc le stylo c'est validé? C'est validé! Wow. Le crayon, est-ce que ça va marcher? N'hésitez pas à chaque niveau à mettre dans les commentaires oui ou non. Oh, ce bruit. Le crayon, je pense pas que ça va marcher. Hein. Voilà. Oh. On a essayé avec Jérém. Solide le crayon. Bah, je crois pas que ça marche. Non. Voilà. Bon, c'est dommage, on aura essayé. C'est un échec. Troisième objet de cette vidéo qui est une gomme. Les gars, est-ce que vous pensez que la gomme ça va marcher? N'hésitez pas à commenter à vous connaître. Trop bien, ça va. Oui, ça marche. Et en plus, ça coupe vraiment bien. Hein. Ah ouais. Et ça fait de la neige. Oh putain. Oh. Nice. Bon, parce qu'il y a un peu de scratch. Alors on va voir le kiwi. On prend bien évidemment un fil propre. Est-ce que tu penses que le jus du kiwi va refroidir la friction, va arrêter de couper le kiwi? À méditer. C'est un peu trop rond. Ça va être un peu compliqué. Mes doigts. Tu prends tes doigts là. Il y a un petit fil qui est apparu. Un petit fil. Une trace. Voilà, une trace. Ouais. Je brûle ma télé. Ça marche ou pas? Ah non, ça marche pas, c'est trop froid. Ah, dommage. C'est un échec. On passe au cahier. Putain, il est chaud le téléphone. Ouais, c'est normal, ça fait deux vidéos qui tournent dans la même journée, ce soir il y en a une autre. Tu me le tiennes bien. Voilà, tu vas couper le cahier avec l'élastique? Eh ben, je sais pas, on va essayer. Oula. Non! Oh! Non! C'est pas possible. Ah, mais on va quand même un peu couper là. Je sais pas si ça a coupé. Ah, ça a coupé les feuilles quand même. Hein. On va réessayer. Tu penses que je vais arriver à faire toute la longueur? Ouais, si, si, je suis plastique, ouais. Oh, oh là là. Ça coupe bien, ça coupe bien. Oh là là. Wow. Ça coupe super bien. Mathéo, je veux ton commentaire dans les commentaires. Je vais mettre poussin dans les commentaires. J'y crois, j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Envoyez de la force. Les pouces bleus. Allez, 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 les pouces bleus, tu coupes là. Je suis en train de me couper le doigt. J'ai l'impression que ça avance pas. Ouais, c'est ce que je suis en train de me demander en fait. Je suis brûlé. Bon, bah écoute, le cahier, c'est une victoire. Bah ouais. Victoire. Eh, ça coupe un peu.
un peu beaucoup, hein. Ah ouais, putain. Bah si on a réussi à couper le stylo avec. Oh, oh, nice. Oh, alors ça mec c'est incroyable. Plus besoin d'acheter une scie sauteuse, prenez un élastique pour couper. Ouais, c'est clair. Ah. Oh on était tellement prêts. Pas mal. Victory. Okay. Oh, 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 je suis invincible. Ok les amis, on a fait une petite pause, je me suis mis un petit pincement. Un petit oui. Ouais, il n'y avait pas plus petit. Hein. On va passer à la fin. Est-ce qu'on l'ouvre de manière normale ou est-ce qu'on l'ouvre de manière professionnelle? De manière professionnelle. De manière professionnelle. On va ouvrir de manière professionnelle. Ah oui, c'est ça, le manière prof. Ah. Ça Neymar, je sais pas. Ça même même l'emballage Rhinoshield. L'emballage Rhinoshield est trop puissant pour nous. Mais elle a quand même abîmé un peu. Hein. Les amis, cette coque ne va plus à mon téléphone. Elle est vieille. C'est la première que j'ai eue, j'en suis très content. Elle m'a tenu 2 ans. Mmh. Aujourd'hui, je vais lui rendre hommage en faisant des vues sur YouTube. Je te jure si ça coupe. Non. Oh putain, ça a marché. Hein. On va continuer. Incroyable. Est-ce que le téléphone est protégé? Il est protégé. Il est protégé. Incroyable. Oh, c'est la fumée. Putain, ça brûle. Ah, je suis rentré. Il a coupé un peu. Ça fait de la fumée, vraiment. Ouais, ça sent. Je pense pas que ça se voit en vidéo, mais... Est-ce que le téléphone est protégé? Ça sent, hein. Sans le plastique brûlé, mais ça sent le bon plastique. Yes. Téléphone, toujours protégé, hein. Rhinoshield, vraiment. Petite anecdote de Roro. Mon pote, il a mis ça sur une scie sauteuse. Ça l'a même pas. Donc, les amis, on va passer au dernier niveau de cette vidéo. On va essayer de voir ce que ça fait sur le bout. Pourquoi? Je pense que ça va pas marcher, hein. Mais on sait jamais. Ah, ça fait de la fumée un peu. Ça fait un peu de fumée, effectivement. Mais non, c'est le film. Ah, il est trop résistant. Capsule trop résistante, hein. C'est chaud ou pas? Ça a pas l'air, hein. C'est chaud, c'est chaud. Hein. C'est vraiment c'est chaud. Hein. On va continuer, parce qu'on perd pas espoir. C'est bien chaud en tout cas, hein, comme le téléphone à la fin de cette vidéo. Bon les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus. On essaiera peut-être de faire un épisode 2, pourquoi pas avec d'autres objets, ça vous tente? Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. On verra avec d'autres objets un peu plus résistants, peut-être pas avec un fil de masque, peut-être avec un autre truc, un élastique. Avec une tractopelle. Une corde. Merci d'être resté jusqu'au bout, vraiment, ça fait super plaisir. Et partager un maximum. On est à 200 abonnés. Ça fait super plaisir. Et... prochaine étape, c'est les 300. Je compte sur vous. Maximum de pouces bleus, maximum d'abonnements. Bah, vous connaissez. On se retrouve maintenant.